pas de parler, n'est-ce pas, il faut aussi agir. Il faut agir et donc la France Antenne Internationale, c'est vraiment notre mot de vie pour agir. Oh, le projet dont je vous parlerai après cette présentation vous montrera que nous sommes vraiment dans l'action concrète. Et pour agir, bien sûr, il faut réfléchir avant. Hein, une action qui n'est pas guidée par une idéologie, une philosophie claire, souvent ça devient strictement à rien. Et donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très important qui est la femme africaine dans le paradigme afrocentré. Vous savez, c'est un sujet qui m'a été assigné par AI France. Ils m'ont dit vraiment, Mermat, en France, là, Paris, ça ne va pas. Les sœurs, les frères, on a des problèmes. Il faut vraiment parler de cela parce que c'est un sujet qui tient à cœur. La place de la femme africaine dans le paradigme afrocentrique. Il faut déjà comprendre ce que c'est que l'afrocentricité. L'afrocentricité, hein, je résume brièvement, ça pourrait faire l'objet d'une conférence, mais ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le sujet. Mais pour simplement préciser les choses, quand nous parlons d'afrocentricité, nous parlons d'un retour, n'est-ce pas, à des valeurs africaines. Voilà. Donc, je lis ici, l'afrocentricité exige un retour à nos valeurs culturelles africaines. Afin de mettre un terme à nos errances, à notre aliénation, à notre dislocation et aussi, je dis, à nos souffrances. Parce que vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de souffrances. Et je pense que si justement ce sujet de la femme africaine est un sujet aussi épineux, c'est parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Donc, quand on parle de paradigme afrocentrique, on parle forcément de culture africaine, de valeurs africaines. Et donc, pour cela, on va retourner, n'est-ce pas, à un examen de la conception de la femme dans la culture africaine pour voir un peu ce que l'afrocentricité peut bien produire. Donc, déjà, il y a une chose qui est très claire, hein, ce n'est plus un mystère, à savoir que si on suit les travaux de Diop et d'autres chercheurs après lui, l'Afrique, point de vue culturel, a toujours favorisé, préconisé le matriarcat, n'est-ce pas? Diop a expliqué qu'il y avait deux foyers civilisationnels, n'est-ce pas? Le nord, le sud, et que dans la culture africaine, il y a notamment le matriarcat. Alors, le matriarcat a quelques caractéristiques, s'il te plaît. Il y a d'abord, hein, encore une fois, ce n'est pas vraiment l'objet de ma présentation, mais je veux bien situer les choses historiquement et culturellement. Qu'il y a d'abord le respect de la vénération de la femme africaine dans le matriarcat en tant que mère. Ça, c'est pris très très au sérieux parce que nous sommes dans j'aime beaucoup cette photo que j'ai prise sur Facebook, vous voyez, le respect de la femme en tant que mère, où l'homme vraiment respecte, et tout le monde respecte une femme parce qu'elle a la capacité d'engendrer. N'est-ce pas? C'est quelque chose de sacré. Et qui est valorisé. Et toujours, c'est toujours le cas d'ailleurs en Afrique, n'est-ce pas? Plus on a d'enfants, plus notre statut social augmente. Un autre aspect du matriarcat, c'est que les femmes, hein, comme elles sont estimées, quand elles sont mères, quand elles sont plus âgées, donc elles sont censées avoir déjà acquis une certaine sagesse, elles ont aussi un rôle politique important. N'est-ce pas? Les femmes en Afrique ne sont pas reléguées comme si elles n'existaient pas, comme si elles n'avaient rien à dire. Je pensais par exemple à la reine-mère, au concept de la reine-mère. On a nommé le nom de Yaa Santéwa, qui était une reine-mère et qui en fait, comme vous le savez probablement, a formé une armée de femmes, n'est-ce pas, pour défendre la nation Ashanti quand les Blancs sont venus à la fin du 19e siècle pour prendre le tabouret d'or sacré, hein, de son peuple et qu'elle trouvait que les hommes étaient lâches et qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait. Elle est montée au créneau avec d'autres femmes et elles ont défendu ce tabouret sacré en or. Donc la femme, la reine-mère, est aussi celle qui choisissait, n'est-ce pas, le nouveau roi. En accord, en consultation avec d'autres, mais elle avait un rôle et elle a toujours un rôle important.
y a aussi, donc par exemple, je peux aussi parler des reines. Hein, on nous farcit la tête avec la reine d'Angleterre et la reine de je ne sais pas quoi encore de France. Mais c'est en Afrique, n'est-ce pas, que nous avons la plus longue histoire de femmes, hein, qui sont des figures royales. Hein, c'est la reine Thaï, ici. Et vous avez ici plusieurs reines. Dans notre culture, dans notre histoire, la femme comme figure suprême d'autorité politique, ça ne nous est pas du tout étranger. D'ailleurs, elles ont aussi un rôle spirituel très important. Et c'est seulement dans la tradition africaine, spirituelle, religieuse, que l'on voit que les femmes peuvent atteindre en fait les sommets de cette hiérarchie. Il n'y a pas de tabou. Vous pouvez être prêtresse, n'est-ce pas ? De n'importe quelle tradition africaine. Alors que si vous comparez ça à d'autres civilisations, vous voyez que les femmes n'ont pas le droit, n'est-ce pas, d'arriver au sommet. Par exemple, vous n'aurez jamais de femme pape. Comment on appelle ça, une papesse ? Ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Et ça n'existera probablement jamais. Dans la tradition musulmane, il y a toujours cette prohibition. Alors que chez nous, on n'a pas du tout ce problème-là. Donc la femme n'est pas perçue comme une citoyenne de seconde zone, pas du tout, n'est-ce pas? Et j'ai ici, vive les mambos. Les mambos sont les prêtresses vaudous, n'est-ce pas? Je suis là complètement à droite, si vous voyez. Mais je suis avec des consoeurs, des mambos, comme moi, nous sommes prêtresses vaudous. Nous sommes initiés au plus haut niveau dans la tradition vaudou, rien, au même titre que les hommes. Nous ne sommes pas moins que les hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous n'avons pas ce complexe d'infériorité lié au fait que nous sommes des femmes. Nous ne savons pas ce que c'est. Notre culture ne nous dit pas que nous sommes inférieurs. Au contraire, notre culture dit que nous pouvons faire, n'est-ce pas, nous pouvons atteindre les mêmes niveaux, au niveau politique, au niveau spirituel, que les hommes. Le matriarcat est souvent accompagné de matrilinéalité. Donc on prend le nom de sa mère. Son père est le frère de sa mère. L'homme va vivre chez sa femme, et non l'inverse. Hein, ça paraît un peu étrange, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, que j'étais à Abidjan, là, avant-hier, je parlais à un monsieur qui nous expliquait que chez les Sénoufo, qui est un groupe ethnique de Côte d'Ivoire, bien, l'homme va dormir chez sa femme. Voilà, ce n'est pas l'inverse. Donc il va dans le village de sa femme, il va rencontrer sa femme, il dort là, et le lendemain, il peut rentrer dans son village s'il veut. Mais c'est l'homme qui va vers la femme, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. Donc ça, très intéressant. Alors malheureusement, on s'est éloigné de ce modèle-là, parce que nous sommes assaillis, hein, depuis un certain temps, par le patriarcat. Toujours là maintenant, puisqu'en fait nous sommes toujours colonisés. Alors quelles sont certaines caractéristiques du patriarcat? C'est malheureux à dire, mais la femme est vraiment perçue comme un fardeau. Et j'en veux pour preuve que c'est lorsque, n'est-ce pas, quand une femme se marie, ce sont les parents de la femme qui donnent de l'argent à l'époux, en quelque sorte pour qu'on les débarrasse de leur fille. Il y a une subordination politique des femmes aux hommes. Hein. J'étais vraiment stupéfaite, hein. J'ai fait un peu de recherche pour ça, mais vous savez que ce n'est qu'en 1976 que les femmes portugaises ont eu le droit de voter. Et si vous pensez que bon, c'est par le vote qu'en fait qu'on exprime, n'est pas qu'on existe sur le plan politique comme citoyen, citoyenne, c'est quand même effarant. L'organisation est reflétée au niveau de la cosmologie chrétienne, hein, puisque nous avons aussi bien sûr la démonisation de la femme, avec Ève la pécheresse. Vous la voyez, elle est en train de donner la pomme à Adam, et puis il y a le serpent qui l'a séduite, qui l'a amenée à faire des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Et donc c'est par elle, hein, dans ce patriarcat, c'est par elle que le mal advient au monde. Il y a aussi la chasse aux sorcières, hein, les Occidentaux sont célèbres pour ça, où ils pendent des femmes blanches, et d'autres noires aussi, mais surtout des blanches, qu'ils accusent d'être des sorcières. Donc la femme est perçue comme quelque chose de mal, il faut se méfier d'elle, hein, on ne peut pas lui faire confiance, elle fait des bêtises, c'est à cause d'elle maintenant que l'humanité souffre, elles sont les sorcières, elles vous font des choses pas possibles. Et du coup,
elle n'est pas digne, n'est-ce pas, d'être perçue comme sacrée, et donc on l'évacue de la Trinité, n'est-ce pas? Vous avez le Père à droite, le Fils, et puis le Saint-Esprit au milieu. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Quand vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est leur Sainte Trinité. Il n'y a pas de femme, au plus haut niveau. Alors que quand on regarde la Sainte Trinité africaine classique, nous avons la femme, Isis, le mari, Osiris, et le fils, Horus. Vous voyez, nous, nous avons la femme au plus haut niveau, comme figure sacrée. Dans le patriarcat évacue la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous nous trouvons, n'est-ce pas, dans un milieu qui déjà dévalorise la femme? Et qu'ensuite, vous ajoutez à cela des valeurs culturelles qui aussi sont introduites, telles que l'individualisme et le matérialisme, eh bien, ça donne quelque chose d'assez terrible. Et je pense que si on ne comprend pas ça, on aura du mal à comprendre les difficultés que nous avons en tant que femmes et aussi en tant qu'hommes pour former des couples et former des familles. Cette suprématie raciale blanche. Avec une façon tellement de temps, hein, aux États-Unis, la situation est catastrophique. Je vous l'assure. Nous passons tellement de temps, les femmes noires, à dire du mal des hommes noirs. Les hommes noirs passent tellement de temps à dire du mal de nous, les femmes noires. Les chansons sont pleines. Vous écoutez, n'est-ce pas, leurs chansons, hein? Vous entendez le langage qu'ils utilisent. Et ça va de part et d'autre. Le travail est très bien fait par la suprématie raciale blanche. C'est-à-dire qu'au lieu de nous mettre ensemble pour, n'est-ce pas, nous unir, avoir des familles ensemble, élever nos enfants ensemble, nous passons notre temps à nous battre. Les mêmes tactiques sont utilisées partout. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau concret, hein? Mais peut-être que la liste n'est pas finie, vous pouvez m'aider à ajouter. Il y a du sexisme, machisme, l'objectification des femmes, n'est-ce pas? Les femmes sont traitées ou sont traitées comme des objets. Des violences verbales, morales et physiques. Des jeux pervers. De l'autodestruction, de part et d'autre. De l'aliénation, alors avec l'intériorisation du discours raciste et sexiste. La convoitise blanche, parce que c'est en gros. La précarité économique, hein, parce que si vous n'avez pas de travail et tout, c'est difficile de former une famille, n'est-ce pas? C'est difficile. Oui, il y a bien sûr l'homosexualité. Et le résultat, la solitude et le célibat forcé. Quelles sont les recommandations que nous pouvons faire en tant qu'afrocentristes? Il y en a 5. D'abord, nous disons qu'il est important pour nous, les femmes, hein, je parle surtout aux femmes d'ici, à mes sœurs, mes petites sœurs, de renouer avec de meilleures valeurs. Vous voyez, quand on parle par exemple, de matérialisme et tout, essayons de mettre ça de côté, essayons de retourner à nos valeurs ancestrales, n'est-ce pas, qui disent que le spirituel est plus important que le matériel. Si vous rejetez un homme, que ce ne soit pas parce que l'homme, n'est-ce pas, n'est pas riche, qu'il ne peut pas vous offrir de bijoux, vous amener au restaurant. Maintenant, si l'homme, sur le plan spirituel, est défaillant, sent de mauvaises vibrations, ça c'est une raison. Mais ça ne devrait pas être des raisons matérielles. Si il roule à bicyclette, qu'il vient vous chercher à bicyclette, eh bien montez sur le porte-bagages. Comme le couple là qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez? Ça va être un très beau voyage. Donc, comment retourner, n'est-ce pas, à nos valeurs? Je dis que sans un socle spirituel solide, toute relation est vouée à l'échec, surtout dans le contexte occidentalisé dans lequel nous évoluons. C'est clair. Et le support spirituel aide justement à ne pas succomber au piège du matérialisme et de l'individualisme. La deuxième recommandation que je ferai, hein, en tant qu'afrocentriste, c'est que nous devons aussi nous engager dans le combat contre la suprématie raciale blanche. Pour ça, je félicite en particulier les sœurs qui sont dans l'Afrocentrisme international. Ce n'est pas la seule organisation, bien sûr, il y en a d'autres. Mais si nous savons, n'est-ce pas, qu'une guerre est menée contre nous et que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons des difficultés
à avoir une relation satisfaisante avec un homme, nous devrions nous engager pour améliorer cette communauté, n'est-ce pas? Et donc, je parle de quoi? Je parle de vous engager à combattre la suprématie raciale blanche et à atténuer les effets négatifs du racisme blanc sur la communauté noire. Et puis, deuxièmement, je parle d'augmenter quantitativement leur communauté en ayant des enfants. La troisième recommandation, c'est s'engager à nouveau à faire de la maternité une obligation et une responsabilité sacrée. Attentive, dévouée, qui éduque ses enfants, qui n'a pas peur de prendre le contre-pied des valeurs décadentes occidentales. Moi, je dis à mes enfants, très clairement, que l'homosexualité, c'est une mauvaise chose. La quatrième recommandation, c'est que nous devons à nouveau nous engager dans une relation avec les hommes africains. N'est-ce pas? Alors, je sais, parfois, on dit, oh, mais je n'en ai trouvé aucun. J'ai une jeune amie de 30 ans qui m'a dit, vraiment, Tati, moi, les hommes, c'est fini. Et donc, la cinquième et dernière recommandation, c'est que nous devons exiger de nos hommes qu'ils nous traitent comme des reines. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ça? Voilà. Donc, de la même façon que nous prenons conscience, nous sommes conscients des difficultés qui nous...